parole de Dieu sera lue dans Jean chapitre 11, verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 42. The word of God will be read from John chapter 11, from verse 1 to verse 42. Verset 44. Verse 44. Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 44. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait pas
ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Alléluia. Alléluia. Ce passage, this passage montre ce que Jésus peut faire pour chacun de nous. Shows what Jesus can do for each of us. Dans le monde, in the world, quand quelqu'un meurt, when someone dies, c'est fini. It is ended. Un ami de Jésus, a friend of Jesus, vient de mourir. Just died. Et Jésus est absent. And Jesus is absent. Quand Jésus arrive, when Jesus arrived, il prophétise la résurrection de Lazare. He prophesied the resurrection of Lazarus. Marthe n'a pas bien compris. Martha did not understand it clearly. Martha crut que c'était une chose au futur. Martha thought that it was something to happen in the future. Il dit, je sais que tu es le sauveur du monde, je sais que tu vas revenir, je sais que les morts vont ressusciter. He said, I know that you are the savior of the world and I know that you will come back and I know that the dead will rise again. Jésus lui dit, non, je suis la résurrection. Jesus told her, no, I am the resurrection. La résurrection n'est pas un événement que nous attendons. Resurrection is not an event c'est that moi-même, we are waiting. C'est moi. I am. Si tu m'as vu, if you've seen me, tu as vu celui qui ressuscite, tu as vu la résurrection elle-même. You have seen the one who resurrects and you have seen resurrection itself. Martha n'a pas compris. Martha did not understand. Elle est partie. She went. Sa sœur est arrivée. Her sister came. Sa sœur a dit la même chose. Si tu étais là vraiment, notre frère ne serait pas mort. Her sister said the same thing. If you were here, our brother would not have died. Jésus lui fait la même promesse. And Jesus made the same promise to her. Jésus demande où se trouve le corps. And Jesus asked where the body was laid. On lui dit, viens et vois. And they told him, come and you will see. C'est-à-dire, allons, nous allons t'accompagner. Toi, tu vas voir dans quel état il se trouve déjà. That is, come and we'll take you to where the corpse is and you'll see in what state it is already. Quand ils arrivent, when they got there, après 4 jours, after 4 days, il y avait déjà l'odeur. There was already de the stench. Du pourrissement. The stench of rottenness. Marthe dit. Martha said. Il sent déjà. She said, he smells already. Il sent déjà. It smells already. Jésus lui dit. Jesus told her. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? C'est pas son état qui est important. It is not his state that matters. C'est ce que tu crois. It is what you believe. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est ce que tu crois qui est important. It is what you believe that matters.
Je voudrais vous apporter une compréhension. I would like to bring to you an understanding. Quand les gens rendent témoignage, when people testify, il faut être très, très sage et indulgent. You should be very wise and indulgent. Faut pas être le genre qui critique tout, qui critique seulement. Regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils disent. You should not be the one who always criticizes. Look at what they are doing. Look at what they are saying. Listen to what they are saying. Il y a des gens qui, il y a des gens. Quelqu'un peut croire que s'il touche le pasteur, il sera guéri. Someone can believe that if he touches the pastor, he will be healed. Il ne te dit pas de faire la même chose. He's not telling you. Lui se dit, to je vais le toucher, je serai guéri. He's telling himself, I will touch him and I will be healed. Et il vient, il touche, il est guéri. And then he comes and touches him and he's healed. Si tu fais par imitation sans la foi, tu n'auras pas les mêmes résultats. If you imitate without faith, you will not have the same results. Parfois quand quelqu'un dit que il m'a touché et il est guéri, moi je me suis étonné. Sometimes when somebody says he touched me and was healed, I'm surprised myself. Je prêchais quelque part. I was preaching somewhere. Je parlais de la foi. I was speaking about faith. Et je disais que quand les dons spirituels, on parle des dons spirituels. We're speaking about spiritual gifts. Donc je disais que il y a des, quand quelqu'un a le don de guérison, il peut te toucher comme ça. Tu guéris. J'ai touché un frère. And I said, when somebody has the gift of healing, he can touch you like this. Then I just touched a brother to show an example. Et j'ai continué à prendre le même exemple. J'ai dit, un tel frère, s'il te touche, j'ai touché la sœur Carole. Or, Carole était malade, elle grelottait, elle avait mal à la tête, le palu. Then I, still in the same example, I said, if such a brother touches you, then I touch Sister Carole, who was sick, she had fever and was shivering. Donc, je voulais montrer un exemple. So I just wanted to show an example. Dès que je l'ai touché, dit que tout est quitté, tout, fièvre, maux de tête, tout c'est parti. As soon as I touched her, she said, everything left, the fever, the headache and all. C'est, moi, je voulais montrer au frère un exemple. C'est après qu'elle m'a dit qu'elle était guérie. Quand c'est comme ça, toi, tu es étonné. Tu reçois même le ministère aussi. But afterwards, she told me that she was healed. And when it's like that, you are surprised and you yourself receive ministry. Il serait dit que c'est le Messie. Vous-même, vous savez que je ne suis pas le Messie. A sister said, he's a Messiah. And you yourself know that I'm not the Messiah. Tu ne vas pas casser ta tête que non, tu as entendu. Il faut seulement pardonner. Tu crois qu'elle a touché quand même quelque chose en Jésus. Mais il y a la confusion. Don't go and break your head and say, well, well, she said this. You should just understand that she has touched something of Jesus. And that she just made a mistake while talking. Don't condemn her. La leçon, c'est quoi? What is the lesson behind this? Ce que tu crois est très important. What you believe is very important. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Il y a une sœur qui n'avait pas de menstrues depuis. There's a sister who was not having a menses for a long time. J'avais rendez-vous avec le couple. And I had an appointment with the couple. Et la sœur a dit à son mari que quand on va aller, quand je vais embrasser le pasteur, mes menstrues vont venir. And the sister told her husband that when we arrive, as soon as I embrace Pastor Meunier, my menses will come back. Bon, ils sont venus, moi je les ai embrassés comme on embrasse les frères aimés dans la foi. Nous avons travaillé et ils sont partis. And they came. C'était un mercredi. I greeted them, I embraced them as we embraced brethren in the faith and the rest. We walked and then they left. It was on a Wednesday. Jeudi. On Thursday. Elle m'appelle. She called me. Dit que ses menstrues sont venues. Elle me rend témoignage. And she told me that her menses had come back and she testified to me. Tu ne peux même pas te glorifier parce que tu ne comprends même pas ce qu'elle a fait. You cannot even glorify yourself because you don't even know what she did. Mais tu es quand même spirituel, tu sais qu'elle a manifesté la foi. But you are spiritual and you know that she manifested faith. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, ce sont des choses réelles. Brethren, these are true things. Nous sommes allés à Benguru. We went to Abenguru. Je crois que c'était Abenguru. Une sœur était malade. Elle avait mal au ventre. Elle n'avait pas d'enfant. A sister had stomach problem and she didn't have a child. Est-ce que son frère est là? C'est Abenguru. Est-ce que le frère
Qui était là? Who was there? Oui, qui peut rendre ce témoignage plus que moi? Who can give this testimony better than myself? Oui, Traoré est un spécialiste. Non, non, RTVC, viens, viens. Traoré, attends, laisse. RTVC, viens. C'est des gens qui écoutent avec eux. C'est pour que tu aies la foi. Hein. It is such that you should have faith. Et que tu ne tiennes pas compte de ce qui rate en disant c'est le pas. Quelqu'un dit que il faut que les gens viennent à la CMCU où ils seront sauvés. Elle dit la vérité, mais si tu n'es pas, tu n'as pas vécu sa réalité, tu peux critiquer que donc vous voulez dire qu'il n'y a que la CMCU dans le monde. Non, ça veut dire que elle a fait des tours, mais quand elle a trouvé les frères de la CMCU, ils lui ont parlé de la réponse. Elle ne peut pas cacher ça. Tu ne peux pas lui dire, dis tout sans dire ça, dis seulement que Jésus m'a sauvé. Non. La Bible dit que un ange est venu dire à Corneille, envoie quelqu'un t'appeler Simon-Pierre. C'est lui qui peut te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Nous savons ça pourquoi. Le Saint-Esprit en a rendu témoignage. For example, a sister testified and said that people should come to CMFI to be saved. But if you listen to her, you should not say that, you should not speak like that because not only in CMFI that people believe. Donc, but it's a reality. Soyons pleins d'amour. So let's be filled with love. Nous serons enrichis. We'll be enriched. RTVC, où est-il? Oui, parle. Alléluia. Il s'agit d'une sœur à Bengourou. Elle s'est mariée légalement avec son mari. Et comme tout bon couple, elle désirait avoir un enfant. Et pendant un an, deux ans, ils ont cherché un enfant et ils n'ont pas eu d'enfant. Et elle était en train de préparer à la cuisine et il y avait le pasteur Boniface Meunier qui prêchait sur la RTVC. Et il était en train d'enseigner sur la foi. Donc, elle a saisi ce message, elle s'est levée, elle est entrée, elle s'est assise, écoutait le message sur la foi. Et elle a décidé d'appliquer ce message-là. Et je précise que dans le message, le pasteur Meunier est en train de parler de la femme qui a perdu le sang et qui a touché le pan de la robe de Jésus. Voici que le leader arrive à Bengourou. Et nous sommes dans la période de coronavirus. Il y a les mesures de restriction. Donc il y a déjà même le protocole qui est mis en place qui demande aux frères de ne pas toucher le pasteur Meunier, de ne pas le saluer. Donc on ne se salue pas. Elle s'est mise là. Elle a dit, ce message que j'ai écouté à la RTVC, je vais appliquer. Que le protocole veuille ou pas, je vais saluer le pasteur Meunier. Donc elle était là, elle veillait. Frère, il y avait vraiment le protocole parce que nous avons vu. Elle l'a faufilé. Faufilé, elle a même dérouté le protocole. Elle a touché le pasteur Meunier, elle a embrassé. Et quand elle a embrassé, elle était convaincue que Dieu l'avait délivrée et qu'elle aurait un enfant. Alléluia. Les suites, les jours qui sont passés, ce qui doit se passer, c'est passé. Et les jours d'après, la sœur découvre qu'elle est enceinte. Jésus-Christ. C'est bon? D'accord, ça y est, dit que c'est bon. Amen. Non, elle avait dit que son ventre tournait et dès qu'il a touché, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'elle avait un mal au ventre. Said that she had stomach premier pain. Signe, le mal s'est arrêté sur place. The first sign after touching the pastor was that pain disappeared. Et la grossesse et l'enfant est né, c'est un garçon. And the pregnancy came and the child was born, a boy child. Bon, est-ce que ça veut dire que je dois m'installer quelque part, les gens viennent m'embrasser et ils sont délivrés? Does it mean that I should stand somewhere for people to come and embrace me and then they are healed? Certainly not. Même la sœur Colette, vous allez la rencontrer sur la route. If you meet Sister Colette on the way. Parce qu'elle ne pourra pas laisser son mari sombrer.
Because you not leave a husband to sink. Mais ce que moi je veux vous dire. But what I would like to tell you. Les choses qu'on raconte dans la Bible là sont vraies. These are those things that we are told in the Bible j'ai are true. J'ai vu ça. J'ai déjà vu ça. I've seen it. Ce qui peut communiquer la foi doit être dit simplement comme aux petits enfants. That which can communicate faith must be said just like explaining to children. Mais si tu compliques en critiquant sans même chercher le petit message que la personne qui balbutie veut communiquer, tu es perdu. But if you criticize without looking for the two messages that a person who is stammering wants to say, you have lost. Moi, je vous dis la vérité, Jésus n'a pas changé. I tell you the truth, Jesus has not changed. Ça se passe dans notre génération. It is happening in our generation. Ça se passe même dans d'autres ministères. And it's happening even in other ministries. La faveur de Dieu pour nous, c'est que, étant dans notre ministère, nous pouvons aussi voir ça. The favor of God for us is that being in our ministry, we can also witness those things. C'est une grâce. It is grace. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand je méditais sur la CMCI, when I was meditating on CMFI, parce que je suis allé en formation au Sénégal, au retour, le Frézac avait commencé à bâtir des disciples. Because I went for training in Senegal, and when I came back, Razak had started making disciples. Donc, il avait demandé aux gens de rentrer dans les dénominations, que seuls restent ceux qui veulent être bâtis comme disciples. He had asked people to go back to their denominations and asked only those who wanted to be built as disciples moi, to stay. Moi, je n'étais pas là. I was not there. Mais la sœur Colette était là. But Sister Colette was there. Elle s'est attachée à ceux qui étaient restés. And she clung to those who had stayed back. Les sœurs Elisabeth Akam, les mamans. Sister Elisabeth Akam. Maman Émilie, et qui d'autre? Aide-moi, il y avait la sœur Elisabeth, maman Émilie, et qui d'autre? La sœur Esther, en tout cas, elle a la, vous savez que la sœur Colette a une volonté ferme. Donc, elle s'est attachée à ce qui était resté avec le frère Zach. So she clung to those who had stayed with Brother Zach. Et c'était des femmes puissantes. And they were solid women. Bon, moi je reviens donc de la formation. So I was coming back from the training. Les choses ont changé. And things have changed. Certains m'invitent ici. Some invited me to the other side. D'autres m'invitent là-bas. And others were inviting me here. Et je fais les deux milieux, je discerne. So I went to the two places and then I discerned. Voir, certains étaient très superficiels. And I saw that some were very superficial. Moi, je n'aime pas les choses superficielles. I don't like superficial things. Je suis allé là où c'était dur, difficile. So I went to where it was hard and difficult. Avec le frère Zach. Brother Zach. Et pendant que je réfléchissais sur notre œuvre, and while I was thinking over our work, le Seigneur m'avait dit, the Lord told me, que dans la formation des disciples, that in the making of disciples, c'est Jésus qui gagne. Jesus is the winner. C'est-à-dire la formation des disciples glorifie le nom du Seigneur Jésus. That the making of disciples glorifies the name of Jesus. Et il m'a dit, and he told me, si nous continuons dans la formation des disciples, that if we continue in the making of disciples, notre ministère sera le seul, notre ministère sera l'un des rares ministères dès la fin des temps qui auront tous les dons. That our ministry will be one of the rare ministries in the end times that will have all of the gifts. Il m'a dit dans les autres, he said with the others, quand tu commences, when you begin, dès que tu deviens fort, as soon as you become strong, tu te détaches. You separate yourself. Dès que tu deviens un peu fort, tu te détaches. As soon as you become strong, you break away. Et c'est éparpillé. And then it is scattered. Et finalement, qu'est-ce que les gens font? And finally, what do men do? Ils s'en vont chercher le don qui manque ailleurs pour venir. Par exemple, s'il manque le don d'enseigner, ils s'en vont chercher un enseignant, il vient enseigner, il rentre. For example, if they lack the gift of teaching, they go and look for a teacher
and they invite him to come and teach and then go back. Si c'est les guérisons qui manquent, on invite quelqu'un, il fait les guérisons un peu là et puis il s'en va. And then they invite someone who can heal and he comes and heals a little and then goes away. Mais à la CMCI, but in CMFI, tu cherches les évangélistes. You look for evangelists. Tu auras un évangéliste authentique. You have a genuine evangelist. C'est la CMCI. In CMFI. Tu cherches l'enseignement. You look for teaching. Tu vas trouver des enseignants authentiques. You find genuine teachers. Tu cherches ceux qui ont le don de guérison et de délivrance. If you are looking for those who have gifts of healing and deliverance, tu vas trouver. You will find them. Dans la, ça, tu n'invites pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra semer l'ivraie et puis partir. You will not have to look for someone from outside who will come and sow weed and go away. Donc, Dieu est en train d'accomplir cette vision-là. So God is accomplishing that vision. Ce que vous voyez là, what you are seeing, ça ne va pas s'arrêter. It will not stop. C'est Dieu qui a créé ça. God himself created it. Ça fait partie des bénédictions de la CMCI. It is part of the blessings of CMFI. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et il y en aura dans des nations. And there will be in nations. Parce que un ministère ne peut pas évoluer sans se multiplier, sans impartition. And the ministry can, because the ministry cannot evolve without multiplication. Si un missionnaire, if a missionary, regarde ce que nous faisons, observes and looks at what we are doing, s'il applique ça, if he applies it, il aura les mêmes résultats. He will have the same results. Parce que ce n'est pas la sorcellerie. Because it is not witchcraft. C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Ce n'est pas caché. It's not hidden. Ça ne se fait même pas à minuit. It's not even done at midnight. Prends les gens, proclamez la victoire comme nous faisons ici. Demande aux démons de quitter, ils vont quitter. Take people, gather them as we are here, proclaim and ask demons to go out, they will go. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais le moteur de ça, c'est la révélation qui soutient ça. C'est ça qu'il faut rechercher. But the engine of all this is the revelation that backs it. So that is what you have to look out for. Parce que quand il n'y a pas de révélation, because when there is no revelation, on est myope, on est aveugle. We are short-sighted, we are blind. Si vous regardez les vidéos de nos églises, San Pedro, Boaké, tous ceux qui pratiquent ce que nous faisons là, quand Emmanuel finit de prier, les démons sont en débandade. If you watch the videos of our churches, San Pedro, Boaké, for example, les Boaké, même chose, même Théo à Bosso ici, il fait la même chose, il a les mêmes résultats. They pray and the same results happen. Le petit Daniel, il est petit coup de taille, mais il fait exactement ce que nous faisons ici. C'est là-bas qu'il y a eu résurrection après 9 mois, c'est ça? 9 jours dans la mort. 9 jours. Even in Daoko, little Daniel, you see him, he's shot like that. He does it and the same results happen. He suit. He follows. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas en train de nous égarer. Please, don't be discouraged. We are not going astray. Dieu est en train de nous transporter dans d'autres dimensions. God is taking us to other heights. Soyons simples, humbles, calmes. Let's be simple, humble, and quiet. Et Dieu va travailler. And God will work. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une vérité biblique. If you believe, you see the glory of God. It is a biblical truth. Ne tolère pas le doute en toi. Do not tolerate doubt in you. N'imite pas sans révélation. Do not imitate without revelation. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Quand Jésus est arrivé, when Jesus came,
Avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Before raising Lazarus, what did he say? Ôtez la pierre. Roll away the stone. Ôtez la pierre. Roll away the stone. Pourquoi? Why? Ce sont les hommes qui ont placé la pierre. Men placed the stone there. Il y a quelque chose que tu as placé sur ton chemin. There are things that you have placed on your way. C'est ça qu'il faut enlever. That is what you should roll away. Et Jésus va agir. And Jesus will act. Il dit, il sent déjà. They say, oh, he's already stinking. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. He says, did I not tell you that if you believe, you see the glory of God? Roll away the stone. C'est là où se trouve la clé. That is where the key is. Ôte la pierre. Roll away the stone. Enlève ce péché que tu as placé sur le chemin. Take away that sin that you have placed on the road. Enlève-le. Take it away. Ils ont enlevé rapidement la pierre. They quickly rolled away the stone. Il a dit, Lazare, sors. He said, Lazarus, come out. La parole dit. And the word says. Le mort sortit. And the dead came up. Écoutez très bien. Listen attentively. Jésus dit. Jesus says. Déliez-le. Unbind him. Et laissez-le aller. And let him go. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Si tu donnes la vie à Jésus. If you give your life to Jesus. C'est bien. It's good. Mais on doit te délivrer. But we must deliver you. Il y a des gens qui trompent les gens pour rien. There are people who deceive others Jésus, for nothing. Jésus est mort, il n'y a plus les démons. And Jesus died, there are no more demons. Déliez-le et laissez-le aller. Lose him and let him go. Ce sont les disciples qui sont chargés de délier. Disciples are the ones in charge of unbinding. C'est ce que nous allons faire ce soir. And that's what we are going to do this evening. Vous êtes sauvés, c'est bien. You are saved. Mais but il faut vous délier. But you must be unbound pour accomplir l'œuvre de Dieu. To accomplish the work of God. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Quand tu rêves que tu manges là, est-ce que c'est une autre personne qui rêve? C'est toi-même. When you dream that you are eating your dreams, quelqu'un viendra te tromper là. Tu n'es pas possédé. Jésus are you the one eating on someone else? Someone will deceive you that you are not possessed. Et toi, tu viens de voir Marie de nuit. And then you see a spirit husband. Dis-lui, mon frère, il faut passer. Il faut tell passer. Him, my brother. Just moi, je cherche la délivrance. I'm looking for my deliverance. Que je mange la viande. That I'm eating meat. Après ma repentance, mon baptême. After my repentance and baptism. Et on me dit de rester comme ça, qu'il n'y a pas les démons, non. And then I'm told pardon, to stay like that, that there are no demons. Please go away, go. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you, please. Tu commences à chercher. And you start looking out. Qui croit? You start seeking for those who believe. À ces choses-là. In those things. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul said, soyez mes imitateurs. Be my imitators. Comment je le suis pour Christ, comment je le suis de Christ. As I imitate Christ. Tu es oppressé par les sorciers qui veulent que tu rétrogrades. You are oppressed by witches who want you to backslide. Et tu veux dire aux gens que les sorciers n'existent plus, Jésus est déjà mort à la croix. And you want to tell people that witches and wizards don't exist, that Jesus already died on the cross. Tu dis à la personne, pardon. You tell the person, please. J'ai compris. I've understood. Tu cherches les autres. And you look for others. Et tu vas en trouver. And you will find them. Tu vas en trouver. You will find them. Ôtez la pierre. Roll away the stone. Enlève le manque de pardon, les rancunes, les découragements, la crainte. Il y a des gens qui passent tout le temps à trembler. Take away the hatred, the lack of forgiveness. Quand tu trembles tous les jours. And the fear. Enlève ça. Take it away. Quand Jésus va dire Lazare, sors. When Jesus will tell you Lazarus, come forth. Tu seras debout. You will be standing. Alléluia. Hallelujah. Déliez-le. Unbind him. Et laissez-le aller. And let him go. Frère bien-aimé. Beloved brethren. Satan exists. Satan exists. Let no one deceive you. Les apôtres étaient des enseignants vrais. The apostles were true teachers. L'apôtre dit, Satan sera bientôt sous vos pieds. Apôtre Paul, Satan sera bientôt sous vos pieds. The apostle says, Satan will soon be under your feet. Donc continue le combat, il sera sous tes pieds. So continue with the warfare, he will be under your feet. Ne dis pas aux enfants, dormez, il est déjà sous vos pieds, dormez. Don't tell the children, please sleep. He's already under your feet. Il est dans le lac de feu, il brûle déjà. He is in the lake of fire, he's already burning. Jésus l'a vaincu. Jesus has overcome him. Qu'est-ce que Jésus a fait? What did Jesus do? Jésus est mort. Jesus died pour nous.
For us, d'abord, first, pour nous racheter, to redeem us, et pour nous établir. Il dit ça. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. And to establish us, he himself said it. He said, I chose you and I established you so that you should go and bear fruit. C'est nous que Jésus envoie dans le monde. We are the ones that Jesus sends into the world. Et il a donné des dons spirituels. And he has given spiritual gifts. Il n'attend pas quand nous serons mûrs pour commencer à le servir. Il nous remplit d'abord des dons spirituels. He is not waiting for us to be mature before we start serving him, but first of all, fills us with spiritual gifts. Donc, dès que tu crois, tu es déjà enrôlé, tu es déjà qualifié. As soon as you believe, you are already enlisted, you are already qualified. Tu vas commencer à lire la Bible, mémoriser après. Il t'a déjà envoyé, il te pousse sur le terrain. You start reading and memorizing the Bible later. He has already anointed you, he sent you to the field. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas ma vie. I don't understand my life. Moi-même, je délivre les gens. Et je ne suis pas délivré. I deliver people and I'm not delivered myself. Dieu te nomme. God appoints you. Tu n'es même pas encore mûr. Il te dit, va détruire les œuvres du diable. You are not even mature. He sends you to go and destroy the works of the devil. Comprenez cet évangile-là. Understand that gospel. Vous allez voir, quand tout le monde bombarde là, c'est là où les sorciers disent aux gens, quittez, partez. You see, les gens qu'ils voulaient posséder toute la vie, eux-mêmes les chastes. You see, when people bombard, everybody bombards us, when wizards and wizards say, please, go. People wanted to possess lives, are asking them others to go, and they are going away. Quand tu arrives, when you arrive, somewhere, tu dis à Satan, you tell Satan, Jésus est mort pour que les gens soient sauvés. Jesus died for men to be saved. Quitte. Depart. Quitte la vie de cette personne. Leave the life of this person. Et le diable obéit. And the devil obeys. C'est ce qu'on appelle la délivrance. That's what we call deliverance. Si les gens ont des problèmes, if people have problems, tu leur dis non, les démons n'existent pas. Jésus est mort à la croix, c'est fini. You say no, demons don't exist. Jesus died on the cross, it's ended. The lake of fire is waiting for you. Parce que tu as servi le diable. Because you served the devil. Tu as endormi les frères. You made brethren to sleep. Tu les as empêchés de comprendre l'œuvre maléfique. You hindered them from understanding the wonderful work. Ceux qui pouvaient juger. Those who could judge. Tu leur as dit, on ne juge plus, Jésus est déjà mort. You told them that we no longer judge, that Jesus has already et died. Tu caresses les pitons. And then you caress pythons. Le lac de feu va te consumer. The lake of fire will consume. Ça, c'est, je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. La Bible dit, the Bible says, qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. That there should not be many teachers. Parce que c'est très dangereux. Because it is dangerous. La Bible que chacun veut expliquer là, attention. That Bible that everyone wants to explain, be careful. Il faut une notion spéciale pour enseigner la parole de Dieu. You need a special anointing to teach the word of God. Je le dis pourquoi. Why am I saying this? Il y a des points dans la doctrine de la formation des disciples. There are points in the doctrine of disciple making que je ne maîtrisais pas. That I did not master. Pour les maîtriser, to master them, Dieu me les a donnés en vision. God gave them to me in a vision. J'avais un document où c'était écrit. I had a document in which they were written. Dans la vision, je croyais que je devais enseigner. In the vision, I thought that I had to teach. Et Dieu m'a dit, and the Lord told me, c'est pour toi-même. It is for you. Le titre était la formation des dirigeants. The title was the training of leaders. C'est cette vision-là qui m'a fait comprendre ce que le frère Zach faisait parmi nous. That's the vision that made me to understand what Brother Zach was doing in our midst. C'est pour cette raison que j'ai constaté. That's why I realized. Ce n'est pas l'orgueil. Je comprends beaucoup la pensée du frère Zach. Même les prières qu'on fait là, c'est le frère qui m'a enseigné ça en quelques secondes. This is not pride, but I noticed that I understand the spirit of Brother Zach. Even these prayers that we are doing here, Brother Zach taught me in a few seconds. Il avait prêché à Benjerville. He preached in Benjerville.
Et il a gagné les âmes. And he won souls. Il m'a donné le micro. And he gave me the microphone. Il dit, prie pour les gens. And he said, pray for the people. J'ai prié comme on prie souvent. Je donne, écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne mes péchés en parole, en pensée, en action, etc. And I led people to pray. I asked them to pray for Jesus to come into their hearts, forgive my sins in words, thoughts, and action, and the rest. Et je lui ai donné le micro. J'ai dit aux gens, allez vous asseoir. Then I asked them, go and sit down. And I gave Il a dit non. He said no. Il a pris le micro de ma main. He took the microphone from me. Il dit, oui, je comprends. Tu es mon disciple. C'est comme ça que je faisais avant. He said, yes, you're my disciple. That's the way I did it before. Il me dit, maintenant, je ne suis plus. Je suis déjà loin. J'ai avancé. And he said, now I'm no longer there. Il dit, ils vont recevoir la guérison maintenant. He said, they'll receive healing right now. Que c'est un seul paquet. That it is a whole le package. Salut, la délivrance, la guérison, on donne ça le même jour, à la même heure, au même moment. Salvation, healing and deliverance is given on the same day, at the same time. C'est entré en moi. This got into me. Hallelujah. Hallelujah. Sur le champ, là, il a prié. La sœur qui rendait témoignage qu'elle fut guérie du sida, là. C'est ce jour-là qu'elle était guérie. On the spot, he prayed for people, and that sister who testified that she was healed of AIDS was healed on that day. Guérie du sida. Healed of AIDS. Authentiquement. Genuinely. Il y avait d'autres guérisons, plusieurs guérisons. There were many other healings. Il y a un frère qui fut guéri d'un mal de cœur. There was a brother who was healed from a heart pain. Il y avait beaucoup de délivrances. And there were many deliverances. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand il est parti, when he left, nous avons commencé les week-ends de salut et de guérison. We began the weekends of healing and deliverance. La première fois, salvation and healing. C'était à Benjaville, le centre que le pasteur de Gonzard dirige. The first was in Benjaville, the center that is led by Pastor de Gonzard. J'ai prié. I prayed. Alors, le temps d'écouter le témoignage est venu. And the time to listen to the testimonies came. Quelque chose me dit que tu vois, si tu demandes maintenant que qui a un témoignage, s'il n'y a personne, tu vas faire comment? And something told me, if you ask now that who has a testimony and no one comes out, la première what are you going fois. To say? It was the first time. J'ai repris courage. I regained courage. J'ai dit, qui a un témoignage? And I asked, who has a testimony? J'ai dit, le frère Zach disait, I said, Brother Zach used to say, Dieu guérit et l'homme rend témoignage. That God heals and man testifies. Quelqu'un s'est levé. Somebody stood up. Guérison authentique. J'ai dit, ah. Genuine healing. I said, ah. Un autre dit qu'il était assis, il a senti, il avait mal à la colonne vertébrale. Il a senti crac, ça s'est redressé. J'ai dit, ah bon. And someone said he was sitting there, had a pain in his back, Jésus-Christ. And he felt as he was straightened. I said, ah. Je me suis bien assis maintenant. Then I sat up straight. J'ai dit, oui, Dieu agit, l'homme rend témoignage. Alléluia. Then I said, God acts and man testifies. Qu'est-ce que j'avais dit? What am I trying to say? Il y a une volonté d'apprendre ces choses-là. There is a will to learn these things. Il faut une volonté de faire comme les autres. There should be a will to do like others. Sans orgueil. Without pride. Et tu réussis. And you succeed. Alléluia. Amen. Ce soir. This evening. La première chose. The first thing. Si tu vis encore dans le péché. If you still live in sin. Et on t'a invité. And you are invited. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. If you want to give your life to Jesus, raise your hand. Venez. Please come forward. Venez vite. Come quickly, please. Venez rapidement. Please come quickly. Ôtez la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Roll away the stone, roll away the stone, roll away the stone. Ôtez la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Roll away the stone, roll away the stone, roll away the stone. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Suivez-les. Ôte la pierre, si la pierre reste là, si le péché est là, ça va tout bloquer. Roll away the stone, if the stone stays there, if sin stays there, it will block all. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Mais il y a le péché sur le chemin. But there is sin on the way. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Il y a la pierre. There is a stone. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Il y a une grosse pierre. There is a big grosse stone. Pierre. A big stone.
Jésus veut agir. Jesus wants to act. Mais tu as placé la pierre, tu as placé la pierre. And you have placed the stone. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Mais tu as placé la pierre, tu as placé la pierre. And you have placed the stone. You have placed la pierre, haute la pierre. Roll away the stone. Haute la pierre, haute la pierre. Roll away the stone. Roll away the stone. Haute la pierre. Roll away the stone. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Haute cette pierre. Roll away the stone. Haute cette pierre. Roll away the stone. Oh cette pierre. Roll away the stone. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Allez la pierre, allez la pierre. Take away the stone. Take away the stone. Baka baka jero baka koma jero baka koma jero baka koma jero baka. Oh baka baka jero baka koma jero baka koma jero baka. Oh baka jero baka koma. Oh Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Jésus vient dans ta vie. Jesus comes into your life. Même si tu sens déjà. Even if you are already stinking. Même si tu es la première prostituée. Even if you are the first person. Même si tu te drogues. Even if you are drunk. Même si ton cerveau est déjà noir. Even if your brain is already dark. Jésus veut agir. Jesus wants to act. Tu seras restauré. You will be restored. Mais il faut enlever la pierre. And you must roll away the stone. Il faut enlever la pierre. You must roll away the stone. Il faut enlever la pierre. You must roll away the stone. Il faut enlever la pierre. You must roll away the stone. Il faut enlever la pierre. You must roll away the stone. Ora baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka go baka baka. Ora ka baka joro baka goba jer baka goba jer baka. Ora baka joro baka hara ka baka joro baka goba jer baka. Ora baka joro baka goba jer baka. Ora ka baka joro baka goba jer baka. Ora ka baka joro baka goba jer baka. Ôtez la pierre, roll away the stone, roll away the stone. Le reste c'est Jésus qui va faire. Jesus will do the rest. Le reste, c'est Jésus qui va faire. Jesus will do the rest. Toi, tu dois ôter la pierre. You must roll away the stone. Jésus fera le reste. Jesus will do the rest. Jésus fera le reste. Jesus will do the rest. Toi, tu ôtes la pierre. Roll away the stone. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Toi, tu enlèves cette grosse pierre. You roll away that big stone. Jésus va faire le reste. And Jesus will do the rest. Jésus va faire le reste. Jesus will do the rest. Martha dit. Martha said. Il sent déjà. He's already stinking. Il lui a dit. He told them. Je t'ai dit. I told you. Que si tu crois. That if you believe. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. C'est Jésus qui te dit ça. Jesus is telling you that. Jésus qui te dit ça. It's Jesus telling you that. Frère. Brethren. Toi qui as déjà cru. You have already believed. Ne te résigne jamais. Never resign. Ne dis jamais que c'est trop tard. Never say that it is over. Ne dis pas que j'ai déjà beaucoup prié. Never say that I've already prayed. Il y a un langage que tu dois éviter. There is a certain language that you must avoid. Parce que tu ne sais pas ce qui est derrière ton problème. Because you don't know what is behind your problem. Jésus leur a dit. Jesus told them. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. That this sickness is for the glory of God. Dieu va saisir ton cas. God will lay hold of your case. Ça deviendra pour la gloire de Dieu. And it will become for the glory of God. Parce que les gens posent souvent des problèmes. Pourquoi là ça? Pourquoi là ça? Ça c'est pourquoi. J'ai dit laissez toutes ces questions là. Many people used to ask. C'est pour la gloire de Dieu. Why is this happening? Why is this happening? I just tell them, leave it there. It is for the glory of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Non, allez devant. Si elle veut donner l'enfant à Jésus, qu'elle aille elle-même avec l'enfant à Jésus. Une mère peut prendre son enfant et venir donner à Jésus. A mother can take the child to come and give him or her to Jesus. Si tu as un enfant avec toi. If you have a child with you. Qui n'a pas encore cru, qui est bébé. Who has not believed, who is a baby. Si tu veux le confier à Jésus aujourd'hui. If you want to hand him over to Jesus today. Tu te tiens là-bas. You stand here. Que tous ceux qui amènent les enfants se tiennent ici. Let all those who are bringing children stand here. Nous allons prier maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit... Oui, les mères qui ont des enfants à donner. Yes, mothers who have children to give. Vous là, vous n'êtes plus d'enfants. Vous devez donner la vie à Jésus. Vrai, vrai.
Vous, à votre Jésus, à votre âge là. At your age. À votre âge là, Jésus discutait avec les docteurs de la loi. At your age, Jesus was arguing with teachers of the law. Non, non, vous vous restez là-bas. Tu es venu te donner toi-même, donc tu restes là-bas. Oui, voilà. Ceux qui viennent pour donner la vie à Jésus sont ici. Ceux qui veulent donner les enfants à Jésus partent là-bas. Those who have come to give themselves to Jesus here, and those who are giving their children to Jesus on the other side. Levez les mains. Raise your hands, please. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir? Is there someone else who must come? Levez les mains. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Vous criez fort. Seigneur Jésus, say, Lord Jesus, je te demande pardon. I ask you to forgive me. Mes péchés sont nombreux. My sins are many. Me voici devant ta face. Here am I before you. Me voici devant ta face. Here am I before you. Lave-moi, oh Jésus. Wash me, oh Jesus. Oh Seigneur. Oh Lord. Pardonne-moi. Forgive me. Tout ce que j'ai dit en parole, tout ce que j'ai fait en acte, tout ce que j'ai dit en pensée. Tout all ce that que I said in penser. Words, all that I committed in action, pardonne-moi, pardonne-moi. And all that I thought in my pardonne-moi, mind, pardonne-moi. Forgive me, forgive me, forgive me. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Pardonne-moi, pardonne-moi. Forgive me, forgive me, forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Merci Seigneur. Thank you Lord. Dis Seigneur. Say Lord. J'accepte aujourd'hui. I accept qu'on me sépare to be separated de la sorcellerie. From witchcraft. Qu'on me sépare de la malédiction. To be separated from curse. La malédiction de la famille de mon père. The curse of my father's family. Et la malédiction de la famille de ma mère. The curse of my mother's family. La malédiction de ma belle famille. The curse of my in-laws. Forme de malédiction. All sorts of curses. Laver, 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 laver. Washed, washed, washed. Purifier, purifier, purifier. Purified, purified, purified. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Asseyez-vous quand vous donne des places. Qui a laissé son sac là-bas? Qui a confié son sac à quelqu'un? Qui n'a personne pour garder son sac? Va chercher, tu reviens. Si tu n'as confié à personne, va prendre, tu reviens. Parce que nous allons commencer la prière maintenant. Vous n'allez plus retourner là-bas. Donnez-leur les places, ils vont s'asseoir. Missionnaires anciens, venez, venez. Missionaries, elders, please come. On va consacrer ces enfants à Jésus. We are going to consecrate these children to Jesus. Placez-vous devant chaque maman. Derrière chaque maman. En commençant par la rangée de devant. Chacun a un enfant et une mère, un enfant. Si l'enfant est malade, tu précises. Tout the child is sick. You should mention it. On va prier pour sa guérison en même temps. I'm going to pray for the healing at once. Et vous, les mamans, vous dites à Jésus, prends cet enfant. And what does you say to Jesus? Take the child. Take this child. I consecrate this child to you. Alléluia. Alléluia. Et dès que tu finis de prier, tu cherches l'autre qui n'est pas encore, qui n'a pas de pasteur. As soon as you finish, you look for the next mom or and child who have not yet been prayed for. Et tendez les mains ici, s'il vous plaît. Please stretch your hands recevons in this direction. Ces enfants, demandons la sagesse pour les élever en Christ. As you receive these children and ask for the wisdom, demandons l'intelligence pour les éduquer. To raise them up in Christ, the protégez-les des esprits mauvais qui sont dans le monde. Protect them from the wicked spirits that are in the world. La délinquance, la violence, la drogue, delinquency, violence, les voyeries, drunkenness. Demandez qu'ils réussissent à l'école. Ask that they should be successful in school. Le premier travail d'un enfant c'est d'aller à l'école. The first work of a child is to go to school. Et de réussir. And to succeed. Donc prions ensemble. So pray together. Let's pray together. Kora baka sharga baka sharga baka sharga laga baka sharga laga baka sharga baka sharga baka laga sharga laga baka sharga laga baka sharga baka. Ora baka sharga laga baka sharga laga.
Père, nous prions que tu acceptes ces enfants. Father, we pray that you accept these children. Nous prions que tu acceptes ces enfants. We pray that you accept these children. Nous prions que tu bénisses leurs parents. We pray that you bless their parents. Avec toute la sagesse de Dieu. With all the wisdom from God. Pour les garder dans la sainteté. Keep them in holiness. Pour les garder pour la gloire de Jésus. To keep them for the glory of Jesus. Pour les éduquer, les élever. To educate them and raise them up. Donne-leur les moyens pour les nourrir et les envoyer à l'école. Give them the means to feed them and to send them to school. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que ceux qui sont malades soient guéris. Let those who are sick be healed. Que ceux qui sont poursuivis par les démons soient délivrés. Let those who are pursued by demons be delivered. Que ceux qui sont poursuivis par les esprits de mort soient affranchis. Let those who are pursued by the spirit of death. Oh Dieu. Oh God. Délivre-les. Deliver them. Sépare-les du monde. Separate them from the world. Sépare-les des choses qui sont dans le monde. Separate them from the things that are in the world. Sépare-les des esprits qui sont dans le monde. Separate them from the spirits that are in the world. Sépare-les de la sorcellerie qui est dans les familles. Separate them from the witchcraft in their families. Dans la famille du père, la famille de la mère. In the mother's family as well as the father's family. Oh Dieu, accepte-les. Dieu, accepte-les. Oh Lord, accept them. Accept them. Permets qu'ils te donnent leur vie. Dès leur plus bas âge. Grant that they should give themselves to you at a tender age. Oh Jésus. Oh Lord Jesus. Agis dans leur vie. Act in their lives. Agis dans leur vie. Act in their lives. Agis dans leur cœur. Act in their hearts. Agis dans leur vie. Act in their lives. Agis dans leur cœur. Act in their hearts. Agis dans leur corps. Act in their bodies. Agis. Act and act and act. Oh Père. Oh Father. Interviens. Intervene. Affranchis. Intervene and set free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. 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 Nous les plongeons dans le sang de Jésus. We plunge them in the blood of Jesus Christ. Nous les plongeons dans le sang de Jésus. We plunge them in the blood of Jesus Christ. Esprit. Spirit. Âme. Soul. Et corps. And body. Dans le sang de Jésus. In the blood of Jesus Christ. Merci Seigneur. Commençons à dire merci à Jésus. Let's begin to say thank merci you to Jesus. Merci à Jésus. Thank you Jesus. Merci à Jésus. Thank you Jesus. Vous pouvez déjà commencer à rentrer. You can start going back to your seats. Vous pouvez rentrer. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Tu seras un enfant normal. Amen. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. The clap offering to Jesus Christ. Tenons-nous debout. Let's stand, please. Gloire à Jésus. Je suis le frère Akese Nzi Martin. Je suis un frère d'Abongourou, disciple du pasteur Ounatano Raoul, missionnaire de l'indénier Duablin. Et la personne dont il s'agit, c'est moi. C'était lors de la croisade de renversement des principautés en 2014. C'est là que le Seigneur a opéré ce miracle. J'étais en situation de chômage et la situation était difficile. Je vais vous faire l'économie des détails en allant à l'essentiel. Et quand la croisade avait commencé, nous sommes rentrés dans le jeûne et on priait. C'est au dernier jour de la croisade, à Yamé au siège, le pasteur Meunier a demandé que nous qui étions en train de terminer la croisade, qui recevaient de Dieu que nous sommes déjà exaucés, et que nous prions pour quelqu'un qui n'est pas avec nous, et que ce que nous allons demander avec foi, Dieu va agir. C'est comme ça que j'ai saisi par la foi. Et j'ai dit, Seigneur, je crois la parole de ton serviteur. Et automatiquement, mes pensées sont allées vers un de mes amis, anciens collègues, avec qui nous avons travaillé dans quelque part. Et on a été licenciés.
Et ça faisait plus d'un an qu'on cherchait du boulot. Moi, j'avais voyagé hors du pays, je suis revenu difficilement. Et lui aussi était en quête d'emploi. C'est comme ça que j'ai prié courtement. Bless those who curse you. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pray for those who persecute you. C'est ça les vrais enfants de Dieu. Those are the true children of God. Et frère, il y aura les résultats dans nos vies. Brethren, there will be results in our lives. Prends cette prière au sérieux. Take this prayer seriously. Il y a un frère. There is a brother. J'avais demandé que chacun prie pour un seul sujet. I'd asked that each one should pray for one topic. Et il avait un ami. And he had a friend. Lui-même ne travaillait pas. He was not working. Son ami ne travaillait pas. And his friend too was not working. Il s'est dit, and he said, je vais prier pour mon ami. I'll pray for my friend. Il a prié pour son ami. He prayed for his friend. Après, je crois que c'est le lendemain. I think the next day, son ami l'appelle. His friend called him. Et lui dit, apporte ton dossier. Vite, 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 dépêche-toi. Bring your file quickly. C'est-à-dire, dès qu'il a prié, une Hurry porte up. S'est ouverte pour son ami. It means that as soon as he prayed, a door was opened for his friend. Une information très importante. Very important information. Son ami l'a appelé. His friend called him. Lui qui a prié, c'est maintenant la personne qui l'a aidé par la prière, c'est cette personne-là qui l'aide pour entrer aussi. And the person he helped in prayer is the same person who is helping him to get into that place. Et ils ont eu le même poste avec les mêmes avantages. And they had the same position with the same advantages. Avec... Il est là. Alléluia. Tu es intelligent, viens. Parle aux frères. Please come and speak to the brethren. Vous voyez l'histoire. Quelle personne ne vous trompe. Voici l'histoire qui s'écrit. Let no one deceive you. This is history making itself. Après avoir écouté un témoignage comme celui-ci, et quelqu'un va te dire que non, il n'y a pas les démons, reste tranquille. After listening to such a testimony, someone will come and tell you there are no demons and the rest. Écoutez dans, en prière. Please listen while you pray. Gloire à Jésus. Amen. Je suis le frère Akese Nzi Martin. Je suis un frère d'Abongourou, disciple du pasteur Ounatano Raoul, missionnaire de l'indénier Duablin. Et la personne dont il s'agit, c'est moi. C'était lors de la croisade de renversement des principautés en 2014. C'est là que le Seigneur a opéré ce miracle. J'étais en situation de chômage et la situation était difficile. Je vais vous faire l'économie des détails en allant à l'essentiel. Et quand la croisade avait commencé, nous sommes rentrés dans le jeûne et on priait. C'est au dernier jour de la croisade à Yamé au siège. Le pasteur Meunier a demandé que nous qui étions en train de terminer la croisade, qui recevaient de Dieu que nous sommes déjà exaucés, et que nous prions pour quelqu'un qui n'est pas avec nous, et que ce que nous allons demander avec foi, Dieu va agir. C'est comme ça que j'ai saisi par la foi, et j'ai dit, Seigneur, je crois la parole de ton serviteur. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de mon ami frère Kwadio Boka Noël et bénis-le avec un emploi. De sorte que quand il va me partager qu'il a eu un emploi, que je me réjouisse avec lui. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es en train de m'exaucer parce que ton serviteur dit que si nous prions, tu vas faire. Et j'ai dit, merci Seigneur. C'est comme ça qu'on a fini la prière, on a terminé la croisade. Et je suis rentré. Parce que j'étais fatigué, je me reposais. Autour de 11h, entre 11h et midi, dans le sommeil, je sentais que mon téléphone sonnait. Et je prends le téléphone, je décroche, je vois c'est lui qui m'appelle. Et je précise qu'il y avait au moins 2 semaines qu'on ne s'était pas appelé, lui et moi. Donc, je vois son numéro, je décroche. Il dit, à qu'est-ce que tu es où?
J'ai dit, je suis à la maison, je me repose. Il dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, mais je vis d'une veillée, je suis fatigué. Il dit, oh, mais tu dors trop. Je vais te donner une information importante. Va déposer ton dossier et puis il m'a indiqué l'endroit. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, ne me pose pas de questions. Que ça finit aujourd'hui. C'est une entreprise qui est en train de recruter du personnel. Ça finit aujourd'hui. C'est un ami, j'ai un ami au Sénégal qui m'en a parlé parce qu'ils avaient travaillé ensemble sur un projet. J'ai dit, mais bon, au moins je vais aller déposer le dossier, mais explique-moi un peu. Donc, brièvement, il m'a dit, ah, c'est un projet, mais actualise ton CV. Et rapidement, j'ai actualisé mon CV. Il y a un CV à côté de moi, j'ai tiré, puis je suis parti. Donc, quand je partais, j'ai dit, Seigneur, j'ai déposé plus d'une cinquantaine de dossiers dans les entreprises. Aucune entreprise ne m'a appelé pour un stage. Si c'est cette porte que tu veux ouvrir, que ta volonté soit faite. Et j'ai dit, Seigneur, je plonge mon dossier dans le sang de Jésus et accompagne-moi. Et quand je partais, je chantais le chant qui dit « Appelle, il te répondra ». C'est ce chant que j'ai chanté dans le Gbaka jusqu'au 17e tranche, derrière le 22e arrondissement. C'est là-bas que le siège de l'entreprise se trouvait. J'ai chanté jusqu'à... Et quand je suis arrivé... Pour conclure, effectivement, j'ai déposé le dossier. Et on nous a appelé pour un entretien. Une fois, deuxième mois, troisième mois, on a fait entretien deux fois. Et au troisième mois, c'est là que, au dernier entretien, on nous a dit que nous étions retenus pour le travail. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Et je confirme que mon ami et frère en question, lui actuellement, le travail que je fais à Bangrou, lui il est le coordonnateur de Boaké. Donc, nous deux, nous avons été recrutés dans la même entreprise, nous faisons le même boulot et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Amen. Frère, est-ce que ça se passe dans les déserts? Brother, is this happening in the desert? Voilà ton frère qui s'en va. There he is. Dis à Jésus que mais tu as fait pour lui, Seigneur. Tu as fait pour lui. Tell Jesus, but you did it for him. You did it for him. Le voilà. There he is. J'essayais de vous convaincre là. Vous voyez, Dieu a disposé tout. Il I was trying to convince you. God made everything possible. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dieu exauce les prières. God answers prayers. Ne te fâche pas. Do not get angry. Ne te décourage pas. Do not get discouraged. Ne murmure pas. Do not murmur. Parle-lui. Speak to him. Parle-lui. Speak to him. Il n'a pas changé. Voici ton frère. Tu... He has not changed. That's your brother. Tu peux l'embrasser. You can embrace him. Il vient la même croisade où tu es là. Il est venu. Le voilà. Tu le vois. He has come to the same crusade where you are. You can see him there. He is. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait pour nous exhorter? Do you know what the Holy Spirit does to exhort us? Il dit. He says. Élie qui a fermé le ciel 3 ans et demi était comme vous. He says Elijah who closed the heavens for 3.5 years was like you. Nathan, ne pensez pas que ces choses ont été promises aux hommes qui montent au ciel et qui redescendent. Do not think that these things were promised to people who go up to heaven and come down. C'est à nous. Yeah, to us. Vivant dans ces difficultés-là. Living in these difficulties. Mais dans les mêmes combats, c'est à nous. Carrying out the same battles. Que les promesses ont été faites. It is to us that these promises were made. La Bible dit que ce n'est pas des anges. Jésus n'est pas mort pour le salut des anges. Jesus did not die for the salvation of angels. C'est pour nous avec nos faiblesses, avec nos tremblements, nos frayeurs, nos angoisses. He died for us with our problems, with our trembling, our anguish. Prie d'abord pour ceux qui en ont besoin. Pray first of all for those who need it. Que le Seigneur soit satisfait parce que quand on pense aux autres, il est satisfait. May the Lord, let the Lord be satisfied because when we think of others, he is satisfied. Prions ensemble. Let's pray together. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis, oh Père. Say, oh Father. Exauce-nous. Answer us. Exauce-nous. Answer us. Prions en langue. Let's pray in tongues.
Merci Seigneur. Thank you Lord. Dis-lui merci. Tell him thank you. Maintenant, now, nous allons importuner Dieu. We are going to importune God. Dieu t'a déjà exaucé. God has already answered you. Mais comme il est notre père, since he's our father, nous allons importuner. We are going to importune. Dieu a appelé Abraham un jour. God called Abraham one day. Et dit regarde les étoiles. He said look at the stars in the sky. C'est comme ça que tu auras des enfants. That's how your descendants will be. Mais Abraham n'a pas dit que Dieu m'a déjà exaucé. Abraham did not say that God already answered me. Dès qu'il rencontre Dieu, as soon as he met God, il dit, Dieu, je meurs sans héritier. He said, I am dying without an heir. Vous savez, you know, soyez libre devant Dieu. Be free before God. Même si que personne te dise que ne demande plus ça, tu as déjà reçu. Non, ce n'est pas comme ça qu'on manifeste la foi. Let no one tell you that don't ask for what you have already received. That's not how we manifest faith. Si Dieu t'a promis du travail, if God has promised you a job, dis-lui est le travail que tu m'as promis. Ask him, where is the job that you promised? Oh, Père, le travail. Oh, Father, that job. Abraham savait qu'il allait être le père de plusieurs personnes, de plusieurs nations. Abraham knew that he was going to be a father of many nations, of many people. Qu'à travers lui, les gens vont adorer Dieu dans toutes les nations. That through him, people worship God in all the nations. Ça ne peut pas se passer sans que tu aies des enfants biologiques. It cannot happen without you having biological children. Mais il rappelle à Dieu sa promesse. He was reminding God of his promise. Ce n'est pas le doute. It is not doubt. Rappeler à Dieu la promesse qu'il t'a faite n'est pas le doute. Reminding God of a promise that he made to you is not exercising doubt. Tu peux même faire comme David. You can even behave like David. David dit à Dieu, pourquoi dors-tu? David told God, why are you sleeping? Entre nous, est-ce que Dieu dort? Between you and me, does God sleep? C'est son père, il veut importuner pour qu'il ne se repose pas. It's his father. He wanted to importune so that he should Dieu, not forget. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Why do you forget me? Mais Dieu n'oublie personne. But God does not forget anyone. C'est Jésus qui nous a appris ça à la croix. It's Jesus who taught us that on the Dieu, cross. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? My God, why have you forsaken me? Mais la promesse c'est qu'il ne sera jamais abandonné. But the promise was that he will never be forsaken. Qu'il va le délivrer du séjour des morts. That he will deliver him from Hades. Et il a délivré Jésus du séjour des morts. And he delivered Jesus. Mais ça n'a pas empêché notre grand frère. But it did not stop our elder brother. De lui poser la question, pourquoi m'abandonnes-tu? From asking God the question, why have you forsaken me? Il faut être un enfant simple devant Dieu. You should be a child with a simple mind before God. Rappelle au Seigneur ce qu'il t'a promis. Remind the Lord of what he promised you. Et dis-lui, Père. And tell him, Father. Pourquoi tu m'oublies? Why have you forgotten me? Il va sourire et il va agir. He will smile and then he will act. Il ne va pas te puis il va dire que regarde ce petit là, à cause d'une petite oppression, il pense que je l'ai oublié. He will et il va donner smile. Des ordres à ses anges. He will not punish you, just say, look at that little boy because of les anges que les frères voient là, c'est une réalité. But those angels that brethren see are reality. C'est pour ça que je dis aux frères, nous avons la grâce de voir les choses spirituelles. That's why I tell the brethren that we have the grace to see spiritual things. Si tu réussis à parler dans le cœur de ton père ce soir, if you succeed to speak to the heart of your father this evening, ce qu'il va faire, what he will do, les légions qu'il va libérer, legions that he will release, même si on t'a envoûté dans la mer, even if you have been bewitched, ils vont aller détruire ça là-bas. He will go and destroy it. Même right si c'est dans la racine des montagnes, even if it's in the roots of the mountains, il va casser tout. He will break everything. Il va déraciner les montagnes. He will uproot the mountains. David dit que quand il a crié à Dieu, David said that when he cried out to the Lord, la terre a tremblé.
The earth shook. Le Seigneur est descendu lui-même, ce n'était plus les anges. And the Lord came down himself, he was no longer porté angels. Par le vent. Carried by the winds. Environné d'obscurité. And surrounded with darkness. Lançant des grêles de feu. And there was grains of fire. Et il y avait le tonnerre. And there was thunder. L'ennemi a cédé. And the enemy yielded. Et il dit, il envoya sa main et me saisit. And he said, he stretched out his hand. Il me délivra de mon adversaire plus puissant que moi. And laid hold of me and delivered me from my enemy who was stronger than me. Il m'avait surpris au jour de la détresse. Who came upon me on the day of trouble. Le Seigneur va mettre fin à l'aventure du diable dans ta vie. The Lord will put an end to the adventure of the devil in your life. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis, oh mon père. Say, oh my father. Ne m'oublie pas. Do not forget me. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Do not forget me, do not forget me. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Do not forget pas. What you promised me. Au sujet de mon enfant, tu m'as parlé. About my child, you spoke to me. Au sujet de mon emploi, tu m'as parlé. About my job, you spoke to me. Et j'ai cru. And I believed. Dis, père, quand tu as parlé, j'ai cru. So, oh, father, when you spoke, I believed. J'ai cru. I believed. Quand j'ai vu la vision, j'ai cru. When I saw the vision, I believed. Quand j'ai écouté le témoignage, j'ai cru. When I saw, when I listened to the testimonies, I believed. Quand j'ai lu dans la parole, j'ai cru. When I read in the word, I believed. Oh père, j'ai cru, j'ai cru. Oh father, I believed, I believed. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Remember me, remember me, remember me. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Remember me, remember me. Continue à prier, continue à prier. Continue to pray, continue to pray. Ora baka, 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 ora baka. Ora kabaka ora kalabaka ora bakasha kabaka ora bakase baka ora kase baka ora bakase baka kabaka ora karaka baka. Dear Père, the Father, et je continue de croire. I continue to believe. Je n'ai pas retrouvé. I'm not backslidden. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Do not forget me. Do not forget me. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Do not forget me. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Oh Père, ne m'oublie pas. Oh Father, do not forget me. Oh Père, ne m'oublie pas. Oh Father, oh Père, ne m'oublie pas. Oh do not forget me. Oh Père, ne m'oublie pas. Oh Father, do not forget me. Continue à prier, continue à prier. Continue to pray, continue to pray. Ora bakashar gala bakashar gala. 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 Ora bakashar Uraga baga surga baga laga sarga uraga baga sarga laga uraga baga surga laga sarga laga baga surga laga baga surga baga uraga baga surga laga baga surga baga surga laga baga uraga baga surga baga surga baga surga baga uraga baga surga baga surga baga uraga baga surga 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 baga surga Ora maseka ora maseka ora maseka ora maseka ora baka ora baka sava ora baka sava ga 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 Dieu Père, say, oh Father, nous connaissons tes compassions. We know your compassions. Nous connaissons ta fidélité. We know your faithfulness. Nous connaissons ton amour. We know your love. Nous connaissons ta miséricorde. We know your mercy. Nous connaissons, oh Père, ta grandeur. Oh Father, we know your greatness. Nous connaissons ta richesse, ta richesse. We know your riches. Nous we connaissons ta sagesse, ta sagesse, ta sagesse. We know your wisdom. We know your tu es élevé au-dessus des cieux. You are lifted above the heavens. Ta gloire remplit la terre. And your glory fills the earth. Ta gloire remplit la terre. Your glory fills the earth. Ta puissance est infinie. Your power is et tu sauves le peuple qui est votre nom. Tu glorifies le malheureux en le sauvant. You glorify the unfortunate. Oh, tu glorifies le malheureux en le sauvant. You glorify the unfortunate by saving. Oh, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Oh, do not forget. N'oublie pas mon frère, n'oublie pas mon frère. Do not forget my brother. N'oublie pas ma sœur. Don't forget my sister. N'oublie pas mon frère. Do not forget my brother. Ne nous oublie pas. Souviens-toi de tes promesses. Remember our promises. Agis, oh Père. Act, oh Father. Accomplis tes promesses. Accomplish your promises. Et que ta volonté s'accomplisse. May your will be accomplished. Que ta volonté s'accomplisse. May your will be accomplished. Que nos yeux le voient.
May I see that. Et que nos lèvres te proclament. And may our lips celebrate. Nos lèvres te célèbrent. May our lips celebrate you. Que nos yeux voient ta gloire. May I see your glory. Et que nos lèvres te célèbrent. May our lips celebrate you. Que nos lèvres te célèbrent. May our lips celebrate you. Oh, Ragamuachu, continue à prier là. Oh, continue to pray in tongues. Rebaka, 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 Rebaka. Urabaka shere gala baka haraga baka urabaka shere 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 gala baka. Dear Lord, so oh Father, brise toute résistance. Break every resistance. Brise toute résistance. Break every resistance. Accomplis tes jugements. Accomplis your judgments. Contre l'oppresseur. Against the oppressor. Qui pense que tu m'as oublié. Who thinks that you have forgotten me. Oh, montre-lui tes œuvres. Oh, show him your works. Oh, montre-lui tes jugements. Show him your judgments. Agis pour nous, Père. Act for us, Father. Agis pour nous, Père. Act for us, Father. Que des cris de joie éclatent dans ta maison. A shout of joy. Oh, que ces enfantements vus soient libérés. May the birth que ces mariages soient libérés. May marriages be released. Oh, Père. Oh, Father. Que ces guérisons se manifestent. May these healings be manifested. Oh, Père. Oh, Father. Que les chaînes soient brisées. May chains be broken. Accomplis ta parole, accomplis ta parole. Accomplis your word, accomplis your word. Accomplis tes promesses, accomplis tes promesses. Accomplis your promises. Tu peux t'asseoir. You can be seated, please. Lève ta main. Raise your hand, please. Qu'au nom de Jésus, ciel, que tout démon qui veut partir s'en aille. In the name of Jesus. Beaucoup sont déjà partis, mais demande que aucun ne résiste. Many have already gone, but let's pray that none should resist. Demon, va-t'en! Demon, depart! Va-t'en, Richard! Demon, go quickly! Va-t'en vite. Go away quickly. Satan, va-t'en. Satan, depart. Sors, va-t'en vite. Out and depart quickly. Que tout démon qui est dans la vie de quelqu'un. Let every demon that's in the life of anyone. Ces jeunes frères qui ont donné leur vie à Jésus. These young brethren who just gave their lives to Jesus. Sors, va-t'en, sors, va-t'en. Out and be gone, out and be gone. Urabaka zoro baka go baka 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 zoro. Gardez le calme. Please be quiet.
Jésus a livré. Vous a livré en spectacle. Jesus showed him in a public spectacle. Spectacle. Public spectacle. Que tout démon. Let every demon. Qui veut résister. Which wants to resist. Pour oppresser. To oppress. S'en aille maintenant. Let it go right now. Si tu as les, si tu veux vomir, vrai. If you want to truly vomit, ne bloque pas. Do not block it. Ne dis pas que je ne veux pas salir la, le sol. Do not say I don't want to dirty the soil. Si tu bailles exagérément, if you yawn in an exaggerated way, il y a des démons qui partent quand on baille, quand on baille. Pas les, pas que tu fais une seule fois, non. There are demons that go out when you yawn and yawn and yawn. 3, 4, 5. Si tu tousses exagérément, pas un simple toux, que tu as besoin de quelques gouttes d'eau. If you are coughing in an exaggerated way, not just a simple cough that you need, si some drops of water. Et soyez concentré parce que le Seigneur est en train de travailler. But concentrate because the Lord is working. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Satan, nous te jugeons, va-t'en vite. Satan, we judge you, go quickly. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en! Depart! Gardez le calme. Please be quiet. Go and don't come back. Va-t'en vite. Depart quickly. Va-t'en. Be gone. Sors, va-t'en. Out and be gone. Va-t'en. Depart. Nous brisons l'œuvre du diable. Nous brisons ses forteresses. We break his stronghold. Nous brisons ses résistances. We break his resistance. Sors. Out and be gone. Sors. Out. Out. Esprit pur. Unclean spirit. Sort. Out. Libère. Release. Libère. Release. Libère. Release. Libère. Release. Libère. Release. Libère. Release. Gardez le calme. Please be quiet. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toute personne. Let every person. Qu'on a envoûté. Who was bewitched.
à travers ses sous-vêtements, his underwear, ses habits, his clothes, son pain et sa serviette, his loin, sa chemise ou son pantalon. Toute personne, everybody, qui a été envoûtée, was bewitched. Nous la séparons des choses volées. We separate you from those stolen things. Et toi, démon, are you demon? Va-t'en. Depart. Toi qui l'as suivi, va-t'en, va-t'en. You follow them. Go away. Gardez le calme. Please be quiet. Si on a pris ta photo, if your picture was taken, et qu'on a piqué avec le couteau pour symboliser ta destruction physique, and it was pierced with a knife to symbolize your destruction, your physical, nous t'arrachons de ce... It's not you. De cet envoûtement. From that bewitchment. Tu ne mourras pas. You will not tu die. Vas vivre. You live. Si on t'a piqué. You were pierced. Nous bannissons cette œuvre. We banish that work. Nous proclamons ta liberté. We proclaim your freedom. Et que tout démon qui t'a suivi à cause de cela s'en aille. And let every demon that follow you because of that be gone. Si des personnes jalouses, if jealous people, ont jeté la boue sur ton visage, threw mud on your face, pour marquer le rejet, l'opprobre, to symbolize rejection and disgrace, shame. Tu es délivré. You're delivered. Tu es délivré. You're delivered. Et nous lavons ton visage. And we wash your face avec le sang de Jésus. With the blood of Jesus. Lavons. We wash it. Nous te délivrons de cet envoûtement. You are delivered from that bewitchment. Et nous mettons fin au rejet, c'est fini, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et le rejet est fini. Oh, rejection is finished. Le rejet est fini. Rejection is ended. Kora bakasharga 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 bakasharga. Les masques ne sont pas de Dieu. Masks are not God. Va. Depart. Et ne reviens plus. And never come back. Nous arrachons ce que tu as volé. We snatch what you have taken. Nous te chassons. And we cast you out. Nous te chassons. We cast you out. Ramasse ce qui t'appartient. Gather everything that belongs et to you. Et va-t'en. And go. Va-t'en. Go. Nous n'avons pas besoin de masques. We don't need masks. Nous adorons Jésus. We worship Jesus. Dis oui, nous adorons Jésus. Say, yes, we worship Jesus. Nous adorons Jésus. We worship Jesus. Nous adorons Jésus. We worship Jesus. Du calme. Si tu es un esprit qui vient des eaux, if you are a spirit coming from the waters, les eaux de la Côte d'Ivoire, mais les eaux d'un autre pays, waters
from Côte d'Ivoire or waters in another nation. Mais si tu sais que c'est vous, les eaux. If you know that you are from the waters. Même si c'est l'eau dans un canari. Even if it's water in a calabash. Tu es jugé. You're just. Esprit des eaux. Spirit from the waters. Sors, va-t'en. Out and be gone. Va-t'en maintenant. Be gone right now. Nous cassons les canaries. We break the calabashes. Nous cassons les canaries. We break them. Nous cassons ces canaries. We break those calabashes. Du calme, du calme. Please be quiet. Du calme. Si c'est une eau qui est dans une bouteille. If it's water in a bottle. Nous cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous délivrons l'âme tenue captive. And we set the soul that is captive free. Même si c'est dans des marécages. Even if it's in the swamps. Va-t'en vite. Depart quickly. Même si c'est l'eau de l'océan. Even if it's the water of the ocean. Esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux. Water spirits, water spirits. Et toi, esprit du serpent qui vit dans les eaux. You, the spirit of the snake who lives in the water. Nous arrachons tout ce que tu as volé. We snatch from you all that you stole. Nous brisons les liens. We break the ties. Nous te mettons à part. And we set you apart. Et nous te frappons. And we strike you. Et nous délivrons tes captifs. And we set your captives free. Nous les séparons de toi. We set them free from you. Nous te les arrachons pour toujours. And we snatch them from you forever. Et va-t'en maintenant. And go away now. Rampe, va-t'en. Crawl and go away. Korobaka sarabaka sorobaka sarabaka sorobaka sarabaka sorobaka sarabaka sorobaka korobaka sarabaka sorobaka sarabaka. Gardez le calme. Please be quiet. Lève ta main. Raise your hand. Dis que l'armée de Satan. So let the army of Satan. Derrière la dépression, sois jugé. Be judged. Dis esprit humain, esprit de démon, esprit de serpent, esprit. So human spirit, spirit. Tout esprit. Snake spirit, every spirit. Derrière la dépression. Behind depression. Qu'il vienne des airs, de l'eau, de l'abîme, du séjour des morts, from the abyss, des collines et montagnes, from the hills and mountains, tout esprit. Every spirit. Derrière la dépression. Behind depression. La folie, la dépression. Va-t'en! Be gone! Sors, va-t'en! Out and depart! Qu'on ne te voit plus! May you never be seen! Qu'on ne t'entende plus! May you never be heard! Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Kora baka sharga baka. Baka sharga. Va-t'en! Depart! Gardez le calme. Please be quiet. Si un démon est entré en toi. If a demon got into you. Par la morsure des souris. Through the bite of a rat. Et ils ont pris ton sang. They took your blood. Je déclare que tu es libre. I declare that you're free.
Que le démon qui t'a suivi s'en aille. May that demon that followed you be gone. Au nom de Jésus. Sir, in the name of Jesus. Si tu es un esprit. If you are a spirit. Qui s'est tenu sur le chemin du mariage. Which has stood on the way of marriage. D'une seule personne. Of one person. Le mariage même d'une seule personne. The marriage of just one person. Parmi ceux qui sont ici. Amongst those who are here. Ou ceux qui écoutent en ligne. All those who are following us online. Qui regardent par YouTube. Or who are watching on YouTube. Par RTVC. Or through RTVC. Si tu sais. If you know. Que ton travail. That your work. Était de bloquer ce projet. Was to block this project. De détruire ce projet de mariage. And destroy this marriage project. Fermer le chemin de quelqu'un. To block someone's way. Un homme ou d'une femme. A lady or a gentleman. Tu es jugé. The just. Va-t'en maintenant. Be gone right now. Nous libérons ce mariage. Release that marriage. Avec la puissance du Saint-Esprit. With the power of the Holy Spirit. Nous proclamons qu'il aura lieu. We proclaim that it selon le dessein de Dieu. According to God's purposes. Va-t'en, vite, vite, vite. Depart, quickly, quickly. Gardez le calme. Please, be quiet. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Plonge-toi toi-même dans le sang de Jésus. Dip yourself in the blood of Jesus. Dis, je me plonge dans le sang de Jésus. Say, I dip myself in the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Six personnes. Une minute chacune. Six people. Pour dire ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé dans leur corps. One minute each to come and say what they saw. Si tu viens d'être guéri, viens. Or what they experienced in their body. Si un démon est sorti, viens. Si tu as une vision, viens. Six personnes seulement, six. If you are healed, if a demon came out. Le micro. Or you saw a vision, please come quickly. Six bon, people only. Compte. Six. Six. Un, deux, trois. Well quatre, counted. C'est bon. C'est bon. Tu sais quand on va prier pour dire non, on va prier pour les eaux. Je me voyais quand j'étais dans l'eau. Et puis les serviteurs m'ont fait sortir de l'eau. Quand je suis sorti, je voyais que non, les gars, la personne me tenait tellement fort. Il a dit, Seigneur, si ce n'est pas des serviteurs qui m'ont attrapé, que si c'est des esprits qui m'attrapent, j'ai juste cet esprit pour que l'esprit me laisse. J'ai vu que non, c'était pas des hommes, c'était des serpents qui m'avaient attrapé. Et ils m'ont laissé. Et j'ai commencé à courir. Quand ça arrivait devant, j'ai vu des anges qui m'ont pris et ils m'ont déposé au milieu ici. Donc je vais rendre gloire à Dieu. Au fond d'acclamation. Amen. Délivrance authentique. Genuine deliverance. Elle était au fond de l'eau. Blâme of the waters. Elle est sortie. She came out. Les serpents voulaient la retenir. The snake wanted to keep her there. Mais les anges l'ont récupéré. Gloire à Dieu. Pendant la prière, j'ai eu deux visions. La première,
c'est quand on chassait tous les démons qui étaient derrière les envoûtements. Les démons, c'était ici, c'était comme une prison. Et il y avait des anges qui conduisaient tous les démons dans cette prison. Ils étaient liés, attachés, et ils étaient conduits. Ceux qui voulaient s'enfuir, même, on les liait. On les mettait en prison pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Et c'est ce que j'entendais. On les met dans cette prison pour qu'ils ne reviennent plus jamais dans nos vies. Amen. Et puis, quand le pasteur nous a conduits dans cette prière, quand il a dit, il y a des dessous des gens, des serviettes, des pagnes des gens, des bouts des pagnes des gens qui sont coupés pour être envoûtés. Je voyais tous ces éléments-là rassemblés ici et brûlés pour dire que tous ces envoûtements ont été détruits complètement. Amen. Amen. Je suis Madame Taou Augustine. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur des anges. Je viens de recevoir ma délivrance. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu conduisait la prière, disait, si vous avez des pailles, des vêtements qui ont été pris pour être enchaînés, j'ai commencé à bailler, à bailler, à bailler sans cesse. Et je suis vraiment délivré. Je rends toute la gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure que papa disait qu'on n'a qu'à prier pour casser les canaries, je voyais dans vision que les canaries se cassaient et les gens qui étaient de l'eau sortaient. Et puis il y avait un ange qui t'a arrêté, il les faisait sortir. C'est ce que j'ai vu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Abia Kinan, Daniel Junior, le professeur du CICIP, le pasteur Combé Boris. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a délivré du max de la danse traditionnelle des Hébriers. Il faut dire qu'en prière, le max est venu s'arrêter devant moi. Et on est là jugé. Et je ne jugeais pas moi seul, je jugeais aussi avec les frères. Donc en jugeant, le masque a disparu. Je vais dire merci au Seigneur de m'avoir délivré de ce masque. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur t'accompagne. May the Lord go with you. Que sa bonne main soit sur toi. May his good hand accompany you. Que tout ce que tu as reçu du Seigneur soit caché sous le sang de Jésus-Christ. All that you've received from the Lord. We cover with the blood of Jesus. Que le Seigneur te bénisse avec le transport pour demain. May the Lord bless you with transport fare for tomorrow. Amen. Amen. Amen.